j'ai trouvé que c'était un match d'abord très riche tactiquement. J'ai trouvé que c'était un match où il y a eu beaucoup d'engagement, où il y a eu des situations de part et d'autre dans les 20 derniers mètres. Donc du coup, ça donnait un match effectivement plutôt plaisant, sans doute, ou plutôt vivant. Comment je pourrais le décrire. Après, les matchs nuls, c'est toujours le fameux dilemme, quoi. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux? Je pense que oui. J'ai le sentiment que sur un match comme celui-ci, effectivement, on doit être capable de... Enfin, on aurait pu être capable effectivement de prendre les 3 points de la victoire. Et c'est un bon dernier match sur l'année 2013. Mais effectivement, j'ai trouvé que peut-être on était monté encore d'un cran par rapport à ce qu'on avait pu faire à domicile ces derniers temps. C'est un bilan comptable qui est plutôt bon et je trouve que le contenu des matchs évolue positivement. Voilà comment je pourrais le présenter. Et j'espère qu'effectivement, durant l'année 2014, on va continuer à monter en puissance comme ça, même si on a un mois de janvier qui va être difficile. Ce soir, au-delà du résultat, j'avais demandé à mes joueurs de reprendre un contenu en termes d'intensité et de maîtrise technique. On savait en plus la difficulté face à Carquefou lorsqu'ils mènent au score, parce que lorsqu'ils mènent, ils n'avaient jamais perdu. Prendre un but au bout de 5 minutes de jeu, fin de la première partie, avec, comme on sait, des organismes à ce moment de la saison entamés, des terrains qui sont souvent difficiles. On a trouvé les ressources pour aller égaliser et on a trouvé les ressources pour après se créer d'autres occasions. Alors c'est vrai qu'on peut toujours avoir la déception de dire oui, on a eu des occasions, mais eux, ils ont eu le bar aussi. Donc franchement, vu la qualité d'équipe de Carquefou, je suis très très content du point pris ce soir et surtout très content de l'attitude de mon équipe. C'était une équipe, c'est une équipe costaud qui se projette vite vers l'avant. Donc, on a essayé déjà de répondre dans l'impact physique et après on a essayé de jouer les coups à fond. Ça aurait pu nous sourire si on arrive à mettre ce deuxième but. Mais sur l'ensemble du match, c'est un bon match, un bon point. On tape la barre, on a l'occasion de mettre le deuxième, on ne le fait pas. Donc derrière, on a tenu au moins ce point du match nul et c'est pas un mauvais résultat. On était venu là pour prendre 3 points. Malheureusement, il faut se contenter de ce point. Et c'est bien, on n'a pas perdu et c'est le plus important. Et après, il va falloir revenir très très fort parce que la deuxième partie du tableau va être très très difficile par rapport à la première. Et je pense que pour tous les clubs, ça va être compliqué.